Cette année chez Yamaha, Euro 5 a fait quelques dégâts, notamment dans la catégorie des grosses routières, puisque les FJR 1300 et Ténéré 1200 ont carrément disparu du catalogue. Yamaha n'a pas voulu renouveler ces deux modèles pour satisfaire aux normes Euro 5. Du coup, la famille des voyageuses chez Yamaha se retrouve un petit peu orpheline et la mission de pompier de service se retrouve donnée à la Tracer 9 GT. C'est une version évoluée et mieux équipée de la Tracer 9 que j'ai déjà testée sur la chaîne. Pour assurer sa mission, elle reçoit donc un équipement de série plus complet que la Tracer 9, parmi lesquels on va compter les valises latérales, d'une belle capacité d'un casque intégral. Le montage et le démontage, le système est assez facile à enclencher. On retrouve aussi le shifter up-down hyper efficace. Elle reçoit également des phares adaptatifs qui s'activent à partir de 5 km/h et 7 degrés d'angle, des valeurs qu'on devrait arriver à prendre avec une Tracer 9. On retrouve aussi des poignées chauffantes pour nous réchauffer les petites mémines. 10 niveaux d'intensité, c'est encore plus précis que le traction control et l'ABS cornering. Et puis on retrouve ces fameuses suspensions Kayaba qui agissent sur l'hydraulique en temps réel. On retrouve deux réglages, un sportif, un confort, tandis que la précharge, elle, reste réglable manuellement. Maintenant, est-ce que cette ultime carte sortie par Yamaha pour remplacer les grosses routières est une vraie bonne pioche? Réponse en selle. C'est vrai que la mission de cette Tracer 9 GT, elle va être assez complexe quand même. Parce que ce soit la FJR, qui était quand même une vraie routière super confort avec un gros moteur, très protectrice aussi, voire même, on disait donc la Super Ténéré, qui était un trail assez cossu, plutôt routier aussi, avec son gros twin très souple et puis des suspensions électroniques aussi, hein, sur la dernière version Z2. Et ben. On avait de quoi rouler vite et loin chez Yamaha. Alors est-ce qu'un petit 900 entre guillemets peut arriver à faire l'affaire? C'est ce qu'on va voir, parce que la GT, c'est comme la Tracer 9 qu'on a déjà essayé, mais avec plus d'équipement finalement. Alors côté confort, il y a quand même du mieux cette année, hein, puisque l'assise, c'est pas une transposition simple du Roadster MT-09. C'est un vrai boudin, plus agréable à fréquenter. On arrive à reculer sur l'assise si on a envie pour trouver une autre position. Les mains sont relativement hautes. De ce côté-là, ça ressemble à un gros trail routier, pas de souci. En revanche, côté protection, s'il y a un petit peu de mieux sur les jambes par rapport à l'ancien modèle, tout n'est pas totalement parfait. On est encore un peu exposé du côté des épaules et du casque, surtout vu la forme de la bulle, hein, même si cette dernière est réglable. Mais elle est trop échancrée à sa base. Du coup, on a un petit peu de remous. Et puis, bon, on va se consoler quand même avec... des pare-mains assez efficaces et puis les poignées chauffantes, quoi. Et puis on a quand même aussi ce petit shifter qui marche bien. La boîte est un petit peu accrocheuse de temps en temps, mais vraiment c'est pas très gênant. Et le shifter, lui, il est vraiment efficace. D'une manière générale, il sert très bien ce nouveau moteur bien péchu, hein, qui a gagné quelques centimètres cubes, qui développe plus de puissance qu'auparavant. C'est 119 chevaux et 93 Nm de couple. Avec une courbe de couple plus intéressante puisque placée plus bas. Bah, ce moteur, finalement, il arrive à trouver aussi une certaine forme de rondeur malgré sa sportivité. Ça permet d'attaquer ou d'enrouler au choix, quoi. Et évidemment, pour soigner le confort et puis l'adapter en fonction des conditions, et bah maintenant on a nos deux réglages de suspension électronique réglables au guidon. Alors les Komodo sont pas forcément super ergonomiques, faut avoir des grandes paluches, mais bon, on y arrive quand même. Donc on retrouve deux positions, le mode 1 pour le sport, le mode 2 pour le confort. Alors en usage commuting, je dirais que la différence, elle n'est pas hyper marquée, je trouve. C'est vraiment quand on va hausser le rythme que la gestion de l'hydraulique différente va se faire sentir, avec un mode sport qui est quand même vachement mieux contenu de ce côté et qui efface beaucoup de mouvements de rebond. Alors que le mode 2, lui, il va vraiment bosser différemment. Il va laisser du rebond justement pour faire passer les aspérités, les bosses avec un petit effet chewing-gum. Alors quand on attaque, forcément, bah, on va préférer le mode 1. Et puis si on privilégie quand même le confort, hop, mode 2, et ça se fait d'un coup d'index. Et enfin, parce que cette Tracer GT doit être aussi une voyageuse, et ben on lui retrouve un réservoir qui passe à 18 litres. Ça donne de quoi envisager 300 km d'autonomie, voire même un peu plus, hein, si on est économe, parce qu'on se rend compte qu'on peut faire passer la consommation en dessous des 6 litres assez facilement quand on roule sur un rythme tranquillou. Et puis évidemment, on retrouve les valises latérales assez généreuses, mais bien intégrées.
Parce que aérodynamiquement parlant, on ne les sent pas trop, elles ne génèrent quasiment pas de mouvement, même à vitesse d'autoroute. Elles sont plutôt bien foutues de ce côté-là. Donc on peut vraiment dire que la prestation de la Tracer GT cette année s'est largement améliorée depuis l'année dernière, forcément, entre le comportement, l'électronique, parce qu'il y a aussi toutes les aides ajoutées cette année avec la centrale inertielle dont on n'a pas parlé. Et puis il y a tout l'équipement en plus. Franchement, il y a de quoi être satisfait. Mais bon, lui aussi, le prix s'est largement envolé. 13 999 euros cette année, c'est 1700 euros de plus par rapport au modèle 2020. Mais bon, quand on regarde la concurrence, ça reste quand même pas trop mal placé par rapport à la catégorie. Je pense à une Ducati Multistrada 950 qui démarre à 14 500 en version standard et plus de 17 000 euros avec les suspensions pilotées. Et je suis même pas sûr qu'il y ait les valises incluses dedans. Et puis côté Triumph, il y a la Tiger 900, mais bon, elle est peut-être mieux équipée. Elle est quand même un peu plus chère, mais ce qui est sûr, c'est quand même, je pense qu'elle est quand même moins fun. Et puis, elle n'est pas vraiment plus routière qu'une Tracer 900 GT, je pense. Et on peut pas dire que ça remplace 100% une FJR ou une Ténéré. C'était les motos qui étaient quand même vraiment plus taillées pour la route que cette Tracer 9 GT. Enfin, ça reste mon avis. Et si vous avez le vôtre, n'hésitez pas à nous le donner en réagissant en commentaire. Et pour plus de détails, ben, vous retrouvez tout l'article sur motoservice.com. Allez, ciao !